C'est dimanche, c'est pour une autre édition de Canal Presse. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, comme tous les dimanches d'ailleurs. Voici le sommaire de cette édition. Avant décembre 2014 est déjà l'année du président Paul Biya. Tellement il a des dossiers sur la table, tous brûlants, hurlants et urgents. En y conduisant le plus préoccupant d'entre eux, le Boko Haram, je cite volontiers le Conseil supérieur de la magistrature qui se rarifie tel un canard rouge. Conséquence, des promotions de magistrats sortis de l'ENAM attendent. J'ajoute aussi volontiers, le temps est toujours attendu, remaniement ministériel, 8 mois après le discours sanction du 31 décembre 2013. Les dossiers évidents, c'est encore le front énergétique, lui-même contenu dans le plan d'urgence à lui soumis par le ministre Emmanuel Ngano-Dumessy de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Volontiers enfin, et la liste est loin d'être exhaustive, le rapport en attente de sanctions suite à la campagne honteuse des Lions au Mondial brésilien. Que de dossiers, monsieur le président. Football, voici le bonus du professeur Owuna. Premier mérite, il a eu le courage de tenir une assemblée générale sans que le chef de l'État ne soit au pays. L'on sait l'affaire, soulevant quelque peu les passions. Roger Mila, Eugène Keke, David Mayebi, Abdourahman et les autres, tous en ordre de bataille, avaient fait dire que les travaux allaient se tenir sous haute tension. Tous ou presque accusent le comité de normalisation de normaliser les textes à la tête de M. Aroko qui répond à des critères de succession. Voici que les plus grands parmi les grands juristes camerounais se font entendre dire qu'ils ne sont bons que pour le droit et la loi. À part cela, ils ont aussi leurs émotions. Ces textes, on doit les connaître. Et comme qui dirait, à l'issue de l'Assemblée générale, il faut en savoir le texte, le contexte et le paratexte à l'heure où l'on vient de chasser les vieux de l'équipe nationale de football. Cette émission est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse. Voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, Ghislain Pierre et Sonore, que je vous propose de retrouver ce soir quand il sera à 20h30 avec l'artiste, le célèbre artiste, j'allais dire, Guini, qui est basé donc du côté des États-Unis. Tout de suite et maintenant, on va accueillir nos différents panélistes. Je commence par l'enseignant d'université, par ailleurs enseignant de journalisme et homme politique également. Il a plusieurs casquettes, journaliste. Mesdames Liporte, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour au public du Canal 2. Vous vous sentez plus à l'aise dans la peau d'un homme politique, d'un enseignant ou d'un journaliste? Mais vous savez, le journalisme... Jamais on y met un terme, puisque d'ailleurs tout citoyen dans un pays est minimalement journaliste. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on appelle ceux qui sont dans les réseaux sociaux des self-journalistes. Bon. Et maintenant, lorsqu'on a eu cette formation-là et qu'on a pratiqué cela, il est évident qu'on devient journaliste. Enseignant aussi, parce qu'effectivement, on a accumulé de l'expérience, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être dans ce domaine. C'est important de transmettre cela aux générations nouvelles. Alors le MRC a 2 ans. Quel bilan dressez-vous au sujet du déploiement de ce parti politique aujourd'hui? Le bilan pour nous est largement positif. Largement positif au vu de ce qui s'est passé. C'est le 30 septembre prochain que le directoire du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, fêtera donc les 2 ans du parti. Et il faut dire que l'accouchement s'est fait dans la douleur, il faut le rappeler. Le jour où on annonce à Yaoundé, le 13 août 2012, on veut annoncer, alors que nous avons un récépissé de déclaration de réunion publique, une autorité administrative trop zélée, un peu trop zélée, en fait, nous empêche de vouloir tenir cette réunion-là dans un grand hôtel de la place. Et le 30 septembre dernier, nous avons réussi aussi à tenir notre convention, malgré le fait qu'une autorité administrative s'y était opposée, mais nous gardons toujours le sourire. Et la foi en l'avenir surtout. Et la foi, et il faut dire que 2 ans après, il faut le dire, le bilan est largement positif dans la mesure où 9 mois seulement après le lancement du MRC,
du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'on a convoqué le collège électoral. 9 mois seulement après. Et un an jour pour jour après, le MRC a eu le courage de se présenter à ces élections face à des partis qui étaient là depuis 90. Nous avons réussi néanmoins à glaner des sièges dans les conseils municipaux et au Parlement. Pour vous, c'est un bilan positif? Oui, et la sociologie électorale aujourd'hui est telle que nous sommes la troisième et dans le pire des cas, la quatrième force politique du Cameroun au vu des Camerounais, des citoyens camerounais qui ont porté leur urne, leur bulletin dans l'urne lors des dernières consultations il y a un an, moins d'un an déjà, je peux dire 11 mois. Donc sur ce plan-là, voilà les critères objectifs, même si nous pensons sincèrement que nous valions mieux dans la mesure où l'on sait ce qui s'est passé. Plus besoin de revenir, sauf si il y a des adversaires qui pensent qu'en fait, ils peuvent même déterrer l'âge de guerre. Ok, beaucoup de courage et puis bon anniversaire, on va dire comme ça. On accueille le deuxième invité, Jean-François Chanon. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomna et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 2 International, de Canal Presse, que je suis heureux de retrouver aujourd'hui. Alors je vous accueille avec la rentrée scolaire qui aura lieu dans un peu plus d'une semaine. Comment est-ce que vous jugez les préparatifs de cet événement par le gouvernement et même par les parents? Mais vous savez, il faut saluer l'école. L'école constitue un élément important de notre société parce qu'elle donne à l'être humain de se développer, d'avancer dans la vie, dans le sens de la connaissance. C'est-à-dire que quand on n'est pas allé à l'école aujourd'hui, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on vous dira que vous n'êtes pas un être humain accompli parce que vous n'avez pas la connaissance telle qu'elle est distillée aujourd'hui. Je salue donc l'école qui va revenir dans quelques jours. Maintenant, comment le gouvernement prépare cette rentrée? Il faut leur poser la question, hein. Je crois qu'il y a un porte-parole du gouvernement qui est prompt à réagir aussitôt que respire son chef, son président. Donc, mais je crois que c'est le moment peut-être de dire aux Camerounais que voilà, l'école arrive, voilà comment nous la préparons, etc. Mais à moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un trop grand nombre de gens qui sont très pauvres, vraiment pauvres, et dont la rentrée, au lieu d'apporter le sourire dans les familles, constitue plutôt un moment d'inquiétude. En ce sens que, est-ce que je vais m'en sortir à envoyer ces enfants qui n'ont même pas déjà la possibilité de manger 3 fois par jour? Parce que quand on était jeune, c'était le minimum. Hein. Vous avez un petit déjeuner le matin, vous avez un déjeuner à midi, à l'école un goûter et le soir vous mangez. Aujourd'hui, la plupart des familles ne mangent parfois qu'une fois. Il y a même des familles où on n'arrive pas à préparer 2-3 jours. Bon, maintenant, quand la rentrée arrive, c'est un problème sérieux. Et vous voyez, les enfants ont passé toutes les vacances avec les arachides, bitacola, bitacola, ceci, cola, cola, ceci de gauche à droite. Alors que tout le monde sait que la convention interdit le travail des enfants. C'est le moment de se... Il y a un enseignant ici, il y a même 2 enseignants, le public sociologue qui comprend très bien. Il a dit, les vacances signifient... Moi, je me souviens des vacances. On allait au village, on rencontrait nos cousins, on était contents d'être ensemble, on se reposait, on aidait les grands-parents au champ, on jouait quelques jeux vicieux avec nos cousines, mais on revenait et nos parents nous offraient la rentrée. Mais aujourd'hui, les enfants doivent eux-mêmes préparer leur rentrée. Okay. Je crois que c'est le gouvernement devrait en prendre charge. D'accord. Et les hommes politiques aussi. D'accord, c'est entendu. Mais au passage, on note que les jeux vicieux avec les cousines, c'est pas méchant. D'accord, c'était pas le fort de tout le monde. Alors, on accueille le troisième invité, Saint-Éloi Bidoum. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Bouba Ngomna, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je profite de ce plateau pour dire aux uns et aux autres, parce que j'ai lu dans la presse que j'avais tourné le dos aux médias, semble-t-il, parce que j'avais la bouche pleine, non. J'étais très occupé, on était très occupé à essayer de faire un plan de campagne. Et là que c'est terminé, j'ai répondu à votre invitation volontiers. Par ailleurs, directeur de publication, et peut-être que ceux qui disent cela à tort ou à raison, que vous ne... parlez plus aux médias parce que vous avez la bouche pleine. Je signale que vous êtes maire du côté de Yaoundé 6, troisième adjoint au maire. Alors justement, parlant de mairie, vous venez d'un séminaire du côté du Togo sur la décentralisation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre périple?
Le Cameroun a fait l'objet d'une invitation au séminaire international sur la coopération décentralisée au Togo. C'était l'occasion pour nous de nous frotter aux autres expériences et de faire une évaluation. Et si on peut faire un bilan à mi-parcours, on peut se rendre compte que l'avancée au niveau du Cameroun est sur le fait que les élus, nous sommes effectivement élus par le peuple. Alors que chez les autres, c'est un décret du président de la République qui les nomme. Mais en termes de pouvoir, dans le cadre de la décentralisation, je crois que les autres sont très avancés parce que les maires exercent, par exemple, des pouvoirs de police. Donc, nous avons encore du chemin. Mais ce que j'ai vu là-bas, j'ai profité pour faire un tour au Bénin à côté. Je crois que si j'ai un message à envoyer à nos maires, ils n'ont plus besoin d'aller en France, ils n'ont plus besoin d'aller aux États-Unis pour voir. Ils n'ont qu'à aller à côté pour voir comment ça se passe là-bas. Alors, c'est bien dit. Vous êtes allé à la bonne école. On espère également que vous allez partager cela avec vos amis. Quatrième invité sur ce plateau, Jean-Baptiste Tebenge. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba, et bonjour aux citoyens. Bon dimanche aux citoyens et citoyennes camerounaises. Alors, le RDPC est au bord de l'implosion. Cette phrase n'est pas de moi. Elle est de M. Paul Aya Abiné, ancien député et président de parti. C'est votre avis? L'implosion, tout parti peut imploser parce que le RDPC, c'est un parti qui domine la sphère politique camerounaise, qui regroupe plusieurs tendances. Il y a des modérés, des radicaux, des conservateurs, des progressistes, des libéraux, des moins libéraux. Des faucons. Des sincères, des hypocrites. Donc il y a un peu de tout RDPC. Mais nous essayons de fusionner tout ça pour soutenir un homme qui incarne les valeurs du renouveau, le président national, le président Biya. L'implosion derrière lui me paraît impossible. Peut-être que lui, il pense à l'après-président Biya. À ce niveau, je crois qu'il y a quand même, nous, on a légué l'héritage génétique de la fission à l'opposition. C'est ceux qui sont à partir du SDF qui a fait naître, je crois, une centaine de partis depuis jusqu'au MRC. Je crois que la fission, c'est là-bas. Nous essayons de fusionner et de rassembler. Lui, il est un des derniers qui a démissionné. Je crois qu'en 20 ans, ils sont rares qui sont partis du RDPC quand même. Et je crois que si nous remettons en avant les valeurs, c'est vrai qu'il y a un léger divorce que je condamne avec la jeunesse. Je crois qu'il y a un certain nombre de valeurs qui nous ont fait adhérer au RDPC dans les années 80-90. En ayant 20 ans, aujourd'hui, il faut les remettre en avant, la démocratie, l'égalité des chances, ce que la jeunesse demande aujourd'hui. Parce que le pouvoir du RDPC, demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui va le lui donner. Merci Jean-Baptiste Temenga. Cinquième et dernier invité, professeur Claude Abbé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Bouba et bonjour aux millions de téléspectateurs de Canal 2. Merci de me faire l'amitié de m'inviter. J'avais cru à un moment donné qu'il y avait une sorte de censure d'un certain nombre de voix, plus ou moins au ton libre, pas seulement à Canal 2, mais dans un certain nombre de médias, au plus fort des événements qui intéressaient la société camerounaise, comme par exemple l'augmentation du coût des produits pétroliers. Canal 2 s'est fait complice, malheureusement, de cela, de ne pas donner la parole à ceux-là qui ont un autre ton que le ton du parti de M. Atemungu. Voilà, c'est votre avis. Et Canal 2 a essayé de donner l'information. Et tout en restant responsable dans le traitement de l'information. Alors, avec vous, on va parler santé, si vous permettez, avec la menace de la fièvre Ebola qui est persistante au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement et les populations ont pris conscience de cette menace? Alors, c'est un sentiment mitigé. Si on voit beaucoup de gesticulations de la part du ministre de la Santé publique, et je mesure bien mes mots lorsque je parle de gesticulation, parce que la gesticulation dans les médias n'est pas nécessairement une affaire qui est liée à des mesures pratiques. Sur le terrain, un de vos confrères de la presse écrite
nous démontrer que le Cameroun a dit avoir fermé ses frontières, mais qu'elles étaient beaucoup plus légendairement ouvertes encore que par le passé, avec le Nigeria justement. Et il faut le regretter. Et quand on interroge quels sont les laboratoires aujourd'hui qui peuvent faire un test rapide sur Ebola, on nous donne de manière approximative deux, mais il y a un seul qui est globalement précis, c'est le centre Pasteur. Et je dois le regretter que notre pays n'est véritablement pas à l'abri, surtout avec des vacanciers à la tête de l'État au moment où le pays, lui, brûle globalement. C'est Ebola, c'est Boko Haram, c'est le choléra, mais des gens trouvent intéressant à ce moment-là soit de prendre des vacances, soit de donner des vacances à ceux qui sont chargés d'apporter des réponses aux problèmes des Camerounais. Et lorsque je le dis, ce n'est pas pour jouer les mauvaises langues ou pour me servir dans une marmite qui est mauvaise, mais en réalité pour dire la désolation de, qui est la mienne en tant qu'un citoyen qui a à cœur les problèmes de ce pays. Voilà, merci. Vous constatez avec moi que malgré votre langue tranchante, vous êtes sur ce plateau, donc vous n'avez aucunement été censuré avant, pendant et même après les grands événements. On va marquer une pause pour prendre la revue de la presse traitée par nos confrères d'ici et d'ailleurs. Une revue de la presse, c'est avec Debo Harley en début. Bonjour, et le drapeau remis aux nouveaux hommes comme l'ordre des missions, mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale contre l'ennemi Boko Haram. Les officiers des 4e régions militaires et gendarmerie sont désormais prêts pour la bataille, avec, souligne Cameroun Tribune, obligation des résultats. Une recommandation du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Pour le quotidien du jour, cette réorganisation de l'appareil sécuritaire dans le septentrion est beaucoup plus stratégique. Selon le quotidien bleu, les décrets du chef de l'État viennent consacrer l'opération du BIR qui a du mal à s'affirmer sur le terrain. Sur le terrain justement, l'œil du Sahel récapitule les principales attaques enregistrées par le Cameroun entre mai et août 2014. Autant d'incursions de la secte sur notre territoire, autant de victimes et d'otages, et le sursaut patriotique se fait entendre dans les quatre coins du territoire national. Selon Cameroun Tribune, tous les secteurs donnent de la voix, sociétés civiles et religieuses, acteurs politiques en synergie. Cette émergence de la menace terroriste mobilise justement la classe politique pour reprendre la nouvelle expression, même si mutation peut s'interroger sur la crédibilité du MRC de Maurice Kamto. Deux ans après sa création, le mouvement pour la renaissance du Cameroun constate le journal de Xavier Messet fait face aux dures réalités de l'environnement politique national. Le social-démocratique Front, quant à lui, est sur le coup d'une saisie judiciaire de ses comptes. Selon Ouest Echo, la décision de justice a été rendue en dernier ressort à la suite d'un ancien permanent du SDF qui réclamait ses arriérés de salaire et des indemnités de licenciement. Anki est porté disparu depuis Bellurette, a fait une sortie au quotidien Le Jour cette semaine. Aya Paul Abine, qui a accordé une interview fleuve au quotidien Le Jour, déclare que l'explosion du RDPC est imminente. Du même numéro du quotidien Le Jour, il est question de la fièvre Ebola et cette information selon laquelle 29 personnes arrivées au Cameroun à bord d'un vol en provenance du Togo ont été inspectées par les services sanitaires à l'arrivée de l'aéroport international de Douala. De la maladie Ebola, il est également question au journal d'information du consommateur de Magellan Kamse Kamgem et encore du quotidien Le Jour qui indique sur la fermeture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria que le poste de Demsa, principal point de passage entre les deux pays dans le nord, reste encore ouvert. Et cette information nous amène tout droit en sport. Pour le temps des manœuvres à la FECAFOOT, au fur et à mesure qu'on s'approche de la date des élections de l'instance fêtière du football national, la nouvelle guerre s'annonce pour reprendre la nouvelle expression qui dresse les portraits de quelques challengers déjà déclarés. Il est des Boué Lamé Mikado, le journaliste qui veut passer du micro à la FECAFOOT
de Robert Atta Beyaza, celui qu'on qualifie du cauchemar de Iya Mohamed, de Célestin Gaston et Fan de Nefama, alias Bebeto le Petit Pousset, Iya surtout Bernard Massengue Avom, la nouvelle expression l'appelle au candidat de la Première Dame, l'ancien ministre des Travaux Publics, qu'on dit candidat très sérieux, en attendant éventuellement de connaître les autres candidats. Dans cette ambiance préélectorale, voilà que Mutation annonce qu'une réunion de crise s'est tenue à la présidence de la République afin de trouver un nouvel entraîneur pour les Lions Indomptables. Volker Fink est déjà sur un siège éjectable, assurément. Il avait commis l'erreur, selon Le Jour, d'exclure une grande partie des joueurs de l'expédition brésilienne des 23 qui vont affronter la RDC pour le premier match de poule des éliminatoires à la CAN 2015. En grande une du journal, on parle crime d'Emile Bouman et le juge d'instruction qui désigne les acteurs présumés de se mettre exécutés en bande. Entre-temps, la France réclame les résultats de l'enquête de l'assassinat d'Éric de Pouter, un ancien français tué il y a 2 ans à Yaoundé. Une messe a été dite en sa mémoire en présence de l'ambassadeur Christine Robichon. Les deux suspects écroués à Kondengui, conclut le journal, avaient été libérés sous caution. Et nous voici à la présidence de la République où, dit-on, 8 milliards auraient été dépensés pour du matériel de sécurité non livré. Un contrat scandaleux, dit intégration de Thierry Ndong, signé le 3 février 2013 à Paris entre le ministère de l'économie et la société Nutec Hong Kong LTD pour l'acquisition des fournitures de 13 scanners et 15 détecteurs. Une autre affaire qui vient s'ajouter aux nombreux autres dossiers brûlants posés sur la table du chef de l'État et qui attend des réactions depuis plus de 8 mois. Débâcle des Lions Indomptables, crise énergétique, remaniement ministériel, conseil supérieur de la magistrature. Pour Mutation, le Cameroun est otage de l'inertie. Le messager enfonce davantage le clou avec la colère qui vient de la famille des diplomates. Leur statut actuel et la gestion des carrières à l'origine donnent appel à la grève. L'actuel statut des diplomates date de 1976. Pas de nomination. Les dernières nominations datent de 2006. Depuis cette année, tous les produits de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun sont en complément d'effectifs à la fonction publique. La dernière conférence des ambassadeurs s'est tenue avant 1990, une instance qui pourtant se réunissait chaque année. Repère encore plus sévère parle de la faillite des pouvoirs au Cameroun. Le Parlement et la justice ont abandonné leurs prérogatives constitutionnelles face à un hyper-président de la République tétanisé par son hyper-puissance, chef d'un pouvoir exécutif monocéphale. Paul Biya constitue l'alpha et l'oméga de l'État. D'ailleurs, il vient d'envoyer ses ministres en congé à de Mutation. La météo nous renseigne que lui-même a pris ses vacances en Suisse, au pays du chocolat, des bijoutiers, des banquiers et des chalets. Nous sommes au quotidien de jour. Beaucoup de célibataires qui roulent sur l'or ont besoin de câlins en échange de quoi ? Ils libèrent du fric, mais dès qu'elles ont amassé et qu'elles sont fatiguées de se laisser tripoter, les succès rentrent au Cameroun pour se payer du bon temps, mais aussi pour nous vendre le rêve. Le rêve justement pour certains Lions Indomptables de trouver encore club, Eto, Biangemo, Asu et Koto, André Kanabiik, à quelques jours de la fin du marché des transferts et du premier match des éliminatoires de la CAN 2015, près de la moitié de l'équipe nationale est au chômage. Regardons ce que Rétin de Cameroun Tribune fait justement en termes de caricature. Agent de joueur, profitez-en, c'est le meilleur en ce moment à son poste et en plus, il a joué au dernier mondial avec les Lions. Et les présidents des clubs de s'exclamer, les Lions quoi ? Là ça gâte tout. À dimanche, s'il plaît à Dieu. À dimanche, Debo Harley en début. J'aime bien cette image de la fin sur le mercato concernant les Lions Indomptables. On va ouvrir la première thématique qui est consacrée, bien sûr, à ce qu'on a appelé les dossiers du président au Cameroun. Au moment où l'on parle des vacances du chef de l'État et des ministres, nous allons nous intéresser un peu plus et surtout nous préoccuper à l'actualité qui concerne ce que nous on a appelé les attentes du peuple camerounais, notamment le problème l'opération Épervier, le problème Boko Haram, le problème de santé. Mais avant, François Chanon, je commence par vous. Est-ce que 8 mois après le discours de fin d'année du chef de l'État, on a le droit de penser que le message à la nation était une tempête
dans un verre concernant, bien sûr, le chef d'État qui a décrié l'équipe qui était mise en place. Ah ben, je ne sais pas très bien ce que vous voulez me faire dire, mais toute réaction dans un autre est d'une complexité, j'allais dire, inéluctable. Mais je dirais une seule chose. On a affaire à un vénérable vieillard de plus de 80 ans, irrespectable. Donc, son rythme de travail aujourd'hui apparaît comme est lié à peut-être ses conditions physiques et son âge. Donc, quand on fait un discours aussi dynamique que celui qu'on a fait en décembre, en décembre, 31, ça signifie que le lendemain, les têtes doivent tomber. C'est-à-dire refaire un gouvernement, le resserrer parce que on a quand même un problème. C'est-à-dire il y a plus de 60 ministres. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se marchent dessus? On constate qu'aujourd'hui, il y a plein de problèmes. Je vous prends simplement un cas, le plan d'urgence. C'est le gouvernement qui l'a lui-même mis en place. Mais on est dans une situation grave là en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un problème humanitaire au nord et à l'est. C'est-à-dire que les conflits et puis la présence de Boko Haram a entraîné un flux de population des réfugiés qui se trouvent sur notre territoire en ce moment. Et en même temps, les conditions atmosphériques ont fait telles que, sont telles que on attend des inondations, voilà les grandes pluies qui arrivent, etc., etc. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore pris conscience qu'il faut déjà ravitailler le Nord en termes de produits alimentaires. Parce qu'il y a une... C'est vérifié aujourd'hui. Le ministère du Travail, du Commerce fait un travail formidable à mon sens. Mais dans ces structures, il y a un problème. Il y a un problème, c'est quoi? C'est que quand, j'allais dire, une ONG lui demande, ben, nous, on peut anticiper parce que le gouvernement a dit qu'il travaille sur la base du plan d'urgence. Hein? Mais nous, on peut anticiper en... on veut juste l'agrément. Il s'adresse au ministère, au MINAT, qui dit, bon, je donne le problème au ministre du Commerce, qui instruit ses collaborateurs, mais un collaborateur s'assoit sur le dossier. Et c'est comme ça l'ensemble du gouvernement. C'est-à-dire qu'on fonctionne aujourd'hui, on se dit, bon, ben, le président a parlé, bon, il parle toujours, hein. Et puis quoi? On continue à faire comme on veut. Professeur Claude Abbé, sur la question du plan d'urgence, est-ce que, selon vous, le gouvernement, dans sa composition actuelle, et on va dire ses lourdeurs connues, on peut mettre en pratique vraiment ce plan d'urgence? D'abord, il faut même s'interroger en amont. Comment un pays peut émerger à partir des plans d'urgence? Quand on est à l'urgence, c'est qu'on a l'article de la mort. Personne ne va aux urgences étant bien portant. Donc, ça, c'est la première chose. Ils ont une rhétorique discursive qui est malvenue. Elle est malvenue. Et quand on regarde le village gouvernemental, le gouvernement a plus de membres que mon village. C'est-à-dire, dans mon village, les uns et les autres se connaissent mieux qu'à l'intérieur du gouvernement. Et le gouvernement est tellement pléthorique. C'est, et on le sait par expérience sociologique, que plus les gens sont nombreux, plus les divergences sont nombreuses. Et moins la coordination est possible. Et à mon sens, je crois que le gouvernement est dans une gesticulation abjecte. Abjecte où je me demande, lui, il a beau jeu de dire que le président, il a le bel âge que nous voulons bien avoir. Même moi, je voudrais l'avoir pour me reposer. Et ça, pas pour continuer à déranger les Camerounais. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, le plan d'urgence, c'est encore une autre procédure dilatoire du gouvernement camerounais? Non, on ne peut pas le dire. C'est vrai que la première version du plan d'urgence qu'avait annoncé le MINEPAT, le ministre Nganou Djoumissi, avait été critiquable, et a été critiqué. Moi-même, je l'avais critiqué parce qu'il était essentiellement économique. On réclamait un plan d'urgence social. Le Premier ministre, je crois que la dernière version présentée par le Premier ministre, il y a eu une correction et un changement de cap. Il est devenu un véritable plan d'urgence. Donc, certains aspects sont en train d'être déroulés, notamment au niveau de l'éducation de base. L'annonce de la contractualisation de 9 000 instituteurs et institutrices
fait partie de ce plan d'urgence pour ce qui est de l'éducation. C'est essentiellement la langue de bois. Au niveau urbain et énergétique, je crois qu'il y a lui une qui partie. A ce plan d'urgence. S'il vous plaît, vous avez, vous avez eu votre tour de parole, professeur François Chanon. S'il vous plaît, laissez. Je crois qu'il y a un certain nombre d'aspects de ce plan d'urgence, en tout cas, qui se veut désormais social, qu'on déroule actuellement. Moi, je me mets à la place des jeunes. Je parlais des jeunes tout à l'heure. Mais quand vous les voyez en ce moment en train de constituer des dossiers, tantôt pour les instituteurs, tantôt pour les autres concours, concours d'entrée, soit dans la sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie, soit dans tous les autres corps, ça redonne de l'optimisme et ça donne un caractère social à ce plan d'urgence. Pour les autres volets, la santé, soit que le ministre de la Santé est en train de peaufiner ces catastrophes qui se préparent à l'extrême nord. Ça, ce sont des catastrophes imprévisibles, mais le gouvernement a des marges de manœuvre. Mais quand vous avez évoqué les inondations au Grand Nord, depuis les dernières inondations, je crois que récemment, moi, j'ai vu des préfets superviser les finitions des digues pour anticiper. Là, c'est l'infrastructure durable. Okay. Ensuite, pour les sacs de riz et tout ça, au cas où il y a des populations, on mobilise en une semaine ou en deux jours. On va évoluer avec votre permission. Un autre dossier en instance sur la table du président de la République, c'est bien sûr le remaniement. Est-ce que la longue attente du remaniement ministériel, selon vous, Sosthène Médard Lipote, ne paralyse pas l'action gouvernementale? Permettez-moi juste une seconde de me soumettre à une exigence, celle d'adresser mes condoléances à notre camarade Adam Djibrin, ancien vice-président, premier vice-président, qui a perdu son fils de façon tragique, assassiné dans l'extrême nord, vers Kousséri, là où habite d'ailleurs M. Adam Djibrin. Et M. Adam Djibrin, très choqué par cela et pour convenance personnelle, a voulu se dessaisir de ses responsabilités actives de premier vice-président. Toutes nos condoléances et ce dimanche, nous observerons une minute de silence en la mémoire du jeune Youssouf, âgé à peine de 30 ans. D'accord. Attendez, un gouvernement, gouverner, c'est prévoir. Il nous semble que nos adversaires, pour eux, gouverner, c'est le mouroir. On nous annonce solennellement. Le plus illustre d'entre eux, en décembre dernier, donc pratiquement comme cadeau de Noël ou du Nouvel An, un plan d'urgence, et puis on en est déjà à un an. Ce n'est pas de l'urgence, c'est plutôt un plan de potence que vous avez mis sur pied. La potence est la mort, comme l'a dit le sociologue. Il a très bien dit tout à l'heure, d'ailleurs, Claude Abbé, d'évoquer l'un de ses collègues canadiens, Maksha Makluyan, lui qui évoquait le village planétaire dans un village, parce que tout le monde se connaît dans un village, mais dans votre gouvernement, on ne se connaît pas. Le chef de ce gouvernement, son super chef, le vrai chef, ne rencontre aucun de ses ministres, ne les connaît pas. Comment peuvent-ils travailler ensemble? Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Cela dit, ce gouvernement est un serpent de mer. Serpent de mer dans la mesure où, quelque part, même ceux qui sont en charge de le former n'arrivent pas à faire un nouveau gouvernement. Il y a eu des consultations électorales. Il y a un an déjà. Et cela suppose qu'il y a une reconfiguration du paysage sociopolitique camerounais. Et puis, on nous annonce un plan d'urgence attaché à cela. Ni plan d'urgence, il n'existe pas. Montrez-nous un seul exemple de l'urgence. Un seul. Sinon, l'urgence, c'est quoi? Récemment, lors de leur voyage à Washington, certains ministères ont dépensé 1 milliard de francs CFA. 1 milliard, dont le ministère même d'ailleurs en charge de l'économie. Les dépenses totales se sont élevées à plus de 3 milliards. Pour la mission pharaonique, entre guillemets, puisque rien n'est pharaon, ne restent pas vérifiés. Ils sont justes. Je vous donne tout à l'heure, en fait, mes sources. Donc, ce qui a lieu de dire, taisez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie, si vous avez des chiffres, donnez-les tout de suite, vous. Moi, je travaille pour J'ai donné les miens, donnez les vôtres. Ne contestez donc pas. On va dire, c'est vérifiable. Vous gagnerez à vous taire pour ce genre de questions. Ce que nous voulons dire à ce sujet, il ne faut pas que la paix sociale soit perturbée à ce point-là. Ce gouvernement qui tarde à sortir, ce n'est pas seulement pour les beaux yeux, peut-être les belles oreilles de ceux qui entendent, qui veulent avoir le gouvernement, mais en réalité, on a beaucoup de choses
on a parlé tout à l'heure de trois fronts. En réalité, il y a le quatrième front. Il y a le front ouest au Cameroun. Le virus Ebola entre par le front ouest et aussi par les airs. Et d'ailleurs, le MRC, en ce qui le concerne, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en avril, le 3 avril dernier, avait attiré l'attention du gouvernement sur le virus Ebola. Le 3 avril. Et il y a un mois à nouveau, on a attiré l'attention, ils n'ont pas réagi. Et c'est précipitamment, il y a trois semaines qu'ils ont commencé à réagir. Et nous n'avons nous-mêmes aucun laboratoire de référence, à l'exception du Centre Pasteur. On reviendra sur cette question. On reste sur la question du remaniement. Les statistiques avec vous, Saint-Éloi Bidoum, en 32 ans de règne, le chef de l'État a opéré 30 remaniements. Alors, est-ce qu'il faut pas, par exemple, quelque chose en plus de cela pour booster l'action gouvernementale et changer les conditions de vie des Camerounais? Non, je suis un peu dérangé parce que quand vous nous avez invités ici, vous avez présenté les uns et les autres et vous avez présenté M. Lipote comme enseignant et M. Claude Abbé comme enseignant. Je souhaiterais qu'il garde la posture d'enseignant, c'est-à-dire que ceux qui nous écoutent viennent s'abreuver de leur côté connaissance. Je n'ai jamais perdu au lieu de verser dans l'invective qui n'honore personne. Non. Je voudrais dire ceci. C'est vrai que quand un peuple commence à bavarder comme les Camerounais sont en train de le faire, c'est que quelque chose ne va pas. Et quand ça ne va pas, tout au moins, celui qui est le chef de tous ces hommes doit pouvoir regarder derrière et s'interroger. Aveu d'échec. Il y a quelque chose qui est évident, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas ni au RDPC, ni partout ailleurs. Il n'y a pas un prix de poulet pour les gens militants du RDPC, ça ne va pas. Le président a fait un discours très dynamique le 31 décembre. Les actes doivent suivre. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Nous avons trois promotions de magistrats aujourd'hui qui sont dehors, qui n'ont pas été intégrés. Et il y a deux mois, on enterrait un de ces étudiants qui aura passé toute sa vie à aller à l'école pour devenir magistrat. Et quand il devient magistrat, il décède. Je ne sais pas si... Il y a 10 ans, on n'a pas fait d'affectation de diplomate. Non, tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais en ce qui concerne le gouvernement, ça fait trois mois que nous avons l'eau à Biémassi sans interruption. Ok. En Siméon, terre rouge, il n'y a jamais d'eau. Jamais d'eau depuis des années. Pas tout ça. Non, non, non. Je dis bien, en Siméon, terre rouge, il n'y a pas d'eau. S'il vous plaît, quand même, c'est lui qui a la parole. Non, je disais donc que c'est vrai que quand il y a un renouvellement de l'activité politique, il doit y avoir un renouvellement des personnes. Mm-hmm. Et ce renouvellement, au RDPC, je dis que nous sommes en droit de l'attendre. Jean-François Chernon, comment par exemple comprendre le Conseil supérieur de la magistrature soit en hibernation depuis près de deux ans? Je maintiens ce que j'ai dit. On a affaire à un vénérable vieillard de plus de 80 ans. C'est lui qui doit convoquer le conseil de supérieur. C'est lui qui préside. Le temps de l'État est devenu le temps d'un individu. Oui, c'est-à-dire que si aujourd'hui le président ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. S'il n'est pas, j'allais dire, capable, si on peut faire moisir des jeunes que l'État a formés, c'est-à-dire à l'ENAM, dans l'une des institutions qui forment les hauts cadres de l'État pendant trois ans et ils sont là, toute la famille sait que bon ben voilà, ils doivent commencer à être opérationnels. On ne le fait pas. Il faut au moins l'expliquer. Si on ne peut pas joindre le chef de l'État, demandez à M. Tchirouma de dire au moins pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas convoqué depuis trois ans et qu'il y ait des grands fonctionnaires, des hauts cadres qui sont en train de se tourner, les doigts, n'est-ce pas, dans les cases familiales.
Non, mais tout ça explique un contexte. Il faut voir que, vous savez, quand on dit des choses, il faut comprendre que le système est violent. Hein. Et le système est violent même dans ses acteurs. C'est-à-dire que vous faites partie du système et le système exerce une violence extrême sur vous. C'est-à-dire que vous demandez à servir l'État et l'État vous montre qu'en fait, vous n'êtes rien. Il a dit, aujourd'hui, là, mais je n'irai pas jusqu'à dire cela. Moi, je respecte ce vénérable vieillard qui est notre président. Il est très respectable, de la part de son âge. Mais je dis aujourd'hui, j'ai envie de dire que il a confisqué le pays. Il a confisqué le pays. En ce sens que, quand il ne touche pas, personne ne fait rien. On est donc... Et lui, il nous a dit, ben tiens, écoutez, il y a l'inertie dans le système. Ça veut dire que ceux qui l'accompagnent là ne peuvent même pas comprendre que si le président n'agit pas, il vous laisse libre. Pourquoi un ministre n'agirait pas? Pourquoi attendre donc que le président vous donne le feu vert? Pour par exemple, moi je reviens sur ce que j'ai dit là, parce que quelque chose de grave se prépare à l'extrême nord, avec les réfugiés. Dans le Cameroun, dans à l'extrême nord. Mais je dis précisément parce que ce sont nos frères. Et qui ont été amenés à se déplacer de chez eux pour fuir les exactions de Boko Haram. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont rien. On est dans le plan d'urgence. Une ONG dit, mais moi, je peux aider le gouvernement. Saisis le MINAT, la direction de la protection civile. Mais moi, le MINAT dit, attendez, je m'adresse au ministre technique, c'est-à-dire le ministre du Commerce, qui donne une instruction et un de ses collaborateurs bloque le dossier. Alors, bon, ça, c'est, on peut multiplier des cas comme ça. Pourquoi aujourd'hui, le conseil de la magistrature ne se tient pas? Mais je dis, c'est le temps du président. Et on doit tous constater que c'est cela. Professeur Claude Abbé, dans votre posture de sociologue, est-ce que, au-delà de ce que dit Jean-François Chanon, quel peut être l'impact, la mise en veilleuse d'une telle structure au Conseil supérieur de la magistrature? Écoutez, je vais commencer par le dire que ceux qui estiment tout à l'heure, d'ailleurs, je n'ai jamais perdu ma posture de sociologue. Ce n'est que ce que je fais. Faire de la sociologie est un métier. Et je ne fais que ça. Et vous êtes un brillant sociologue. Merci. Vous avoir connu, puisque j'ai fait moi-même l'anthropologie et la sociologie. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que, globalement, nous parlons de ça, les uns et les autres ont une impression que c'est de la jactance discursive. Ce n'est pas un problème de jactance discursive. Ce n'est pas un problème de se faire remarquer. Ce n'est pas un problème d'attirer une attention sur soi. Ce qui se déroule à l'extrême nord, en termes de Boko Haram, ce qui se déroule dans les pays voisins, en termes d'Ebola, ce qui se déroule en termes de fonctionnement de nos institutions, pour revenir à la question que vous me posez, c'est suffisamment grave. Ça veut dire quoi? Les magistrats, premièrement, qui sont sortis de l'école, qui sont encore des auditeurs de justice. 3 ans durant, leur carrière n'a pas démarré. Et cela a un impact au niveau de leur changement de grade par la suite, c'est-à-dire individuellement. Ça a également un impact individuellement au niveau de la mobilisation des uns et des autres. Imaginez-vous peut-être un magistrat qui est président du tribunal. Je connais un cas à l'extrême nord où on a des gens de grade inférieur qui sont des supérieurs. Dans le nord, à Garoua particulièrement, où on a des gens de grade inférieur qui sont des supérieurs de grade supérieur, justement. Vous voyez des situations ubuesques comme celle-là. Ce n'est pas amusant. C'est pas amusant. Ce n'est pas du tout amusant individuellement. Maintenant, institutionnellement et sur le plan structurel, ça bloque le fonctionnement d'un domaine de l'administration qui est le bras séculier d'un pouvoir, à savoir le pouvoir judiciaire. Et ça remet en question la logique qui est celle de la séparation des pouvoirs et de la distinction des pouvoirs. Et ça bloque l'efficacité du fonctionnement de l'État. Et troisièmement, pour terminer maintenant, il l'a dit dans une...
Il est lui-même tenu par ses paroles qu'on est dans la République inexemplaire. Alors, Jean-Baptiste Temenga, au-delà du Conseil supérieur de la magistrature, il y a également la question de l'énergie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration avec l'installation du nouveau DG d'Altice? Mais nous savons tous critiquer, mais là, j'observe des discours un peu catastrophistes, en tout cas exagérément pessimistes. L'actualité quotidienne peut nous amener aujourd'hui, en ce moment, avec Boko Haram, Ebola, tout ça peut susciter beaucoup d'inquiétudes. Mais prenons un peu de recul. Et là aussi, il faut relativiser. Ça, parce c'est que pas, vous n'êtes pas à l'extrême, non. S'il vous plaît, professeur, vous avez parlé seul tout à l'heure. Donc, si nous sortons de l'histoire de la sociologie quotidienne, de l'actualité quotidienne, et que nous revenons à une histoire, à un temps un peu plus, pas très long, mais moyen, les années 80 aujourd'hui, le Cameroun n'a jamais été aussi bien économiquement, n'a jamais eu d'aussi meilleures perspectives depuis les années 70. Regardez la caméra dans les yeux. Le discours. Non. Mais moi, je ne peux pas le laisser continuer. Vous êtes sociologue, vous n'êtes pas économiste. Et vous êtes économiste. S'il vous plaît, laissez-le. Laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Quand le président Aïdjo laisse au président Biya ce pays, malgré les discours que les gens tiennent, les sociologues, puisque vous ne connaissez pas les chiffres, les statistiques, ce pays économiquement. La sociologie ne fait que des statistiques. C'est la science. La sociologie ne fait que des statistiques, s'il vous plaît. Ne dites pas ça pour professeur Corabé. Non, il n'a pas lu le suicide. Désolé. La science. Merci pour la précision. Il n'a pas dit ça. C'est juste la précision. Nous parlons de la précision. La science n'est pas la démagogie, s'il vous plaît. Madeleine Gravis nous a appris. S'il vous plaît, n'étouffez pas Jean-Baptiste Temenga. Laissez-moi m'exprimer. N'étouffez pas Jean-Baptiste. La sociologie, les mathématiques, statistiques, c'est ça. Laissez-moi m'exprimer. S'il vous plaît, professeur, permettez aux autres de se 79 à 83, toutes les productions agricoles du Cameroun chutent. Donc, ce qui prouve la faillite de la politique agricole, la révolution verte. Le président Biya arrive, il essaye d'augmenter les tarifs offerts aux agriculteurs. La production croît à nouveau de 84 à 2007, légèrement, mais le marché mondial s'écroule. Donc, la politique agricole, ce n'est pas qu'au Cameroun, même la Côte d'Ivoire qui a réussi sa révolution agricole se retrouve stagnante jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, le gouvernement remet en place ce que le ministre Renaud Ouna à l'époque avait élaboré comme politique agricole de deuxième génération. Le marché mondial le permet avec la mondialisation, les matières premières, les matières agricoles ont repris la valeur. Tout le monde se met à l'agriculture aujourd'hui et c'est tant mieux. Tout ça, c'est des chiffres. Pour les jeunes. Je parle des tendances longues. Les chiffres. Au niveau de l'énergie, sur la question de l'énergie. Nous avons traversé 15 années de crise économique mondiale, crise de trésorerie, d'évaluation, baisse des revenus au Cameroun. C'était catastrophique. Pas de recrutement ni dans le privé ni dans le public depuis 10 ans. Mais vous avez. Moi, j'ai été jeune au moment où on ne recrutait personne. Vous avez été recruté. J'étais jeune, j'ai eu... Vous avez quand même été recruté. Mais moi, je suis très content pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont à nouveau des perspectives où on recrute, l'État recrute 50 000 jeunes chaque année dans tous ces divers services. De 90 à 2000, c'était zéro. Donc si chaque année aujourd'hui, on recrute 50 000 dans l'administration ainsi que dans le privé, je ne suis pas d'accord avec ce discours pessimiste où... Le gouvernement vient de faire des choix clairs. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez dynamique. En urgence. La situation des APE, la situation des APE, ce sont des orientations claires, très fiables, il faut dire aux Camerounais et à la jeunesse que le président est en train de tracer la bonne voie. Ce qu'on n'a pas su faire, ce que vous appelez le bon vieux temps en 90, on a fait de très mauvais choix. C'est pour ça que la politique agricole a échoué, la politique industrielle a échoué, le président avait fait de mauvais choix. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, on remet le pays vers la voie de l'insertion à l'économie mondiale. On est d'accord que l'État est touché par des perversions diverses, la cupidité, les dysfonctionnements. Ça, il faut le régler. Et politiquement aussi, il y a un certain âge
je pense, qui est critiquable au niveau de certains ministres, au niveau de certains leaders politiques. Ça, on est d'accord. Mais les orientations sont claires. L'entourage du chef de l'État est fait de jeunes aussi. Contrairement à ce qu'on dit, la haute administration camerounaise est l'une des plus jeunes au monde. Je pense que si on règle le dilemme politique, on rajeunit la politique, les Camerounais n'ont pas le droit de s'inquiéter. Les choses, les conjonctures actuelles, on peut les régler facilement. On vous a compris, Saint-Éloi Bidoum, sur cette question, entendre l'argumentaire de Jean-Baptiste Atemengue, tout n'est pas noir. Il n'a pas donné des chiffres. Non, il n'a pas besoin de donner des chiffres. Tout à l'heure, vous avez dit à Jean-Baptiste Atemengue qu'il a fait un DEA en droit et sciences politiques. Je voudrais vous rappeler, moi j'étais en droit et sciences politiques. Là-dedans, il y a de la sociologie politique, de l'économie politique, de l'histoire des idées politiques, tout ce que vous voulez. Et il vient de vous faire un bref rappel historique. Donc, il y a des choix économiques qui ont été faits à une époque donnée. Et ces choix économiques ont été mauvais, tant à l'époque du président Ahidjo qu'à l'époque du président Biya. Aujourd'hui, il y a un réajustement qui est visible, un recadrage qui est opéré au niveau agricole par le ministre Simi Meunier, que je découvre, fils d'agriculteur, est capable de faire des choses qui peuvent permettre au Cameroun d'évoluer. Nous ne pouvons pas prendre le bic rouge et biffer tout. Nous disons, on peut mieux faire. On peut mieux faire dans la mesure où, quand vous regardez un peu, vous parlez de plan d'urgence tout à l'heure, vous regardez le ministère de la Santé, il y a 10 ans, ce qu'on avait comme assiette médicale, aujourd'hui le plateau est beaucoup plus large. Vous regardez sur le plan commercial, le travail que le ministre Luc Magloire Mbarlatangana est en train d'abattre pour essayer de maintenir les prix des produits de première nécessité pour qu'on n'arrive pas à la catastrophe. On ne peut pas parler de catastrophe préventive, c'est ça? Non, on ne devrait pas. Je crois que les indicateurs sont suffisamment au vert. Mais la situation qui se déroule au Nord aujourd'hui est préoccupante pour tout le monde, qu'on soit du MRC, du SDF. Et d'ailleurs, je souhaiterais que les partis politiques fassent ce que les syndicats ont fait face à la menace de Boko Haram. Ils ont signé un mémorandum de manière publique en donnant leur position. Bon, aujourd'hui, quand il faut parler de Boko Haram au Nord, ça devient comme si c'était l'affaire du président Biya. Le MRC n'est pas là. Non, c'est une affaire de tous. Ok, c'est une affaire de tous, puisqu'on parle maintenant problème d'insécurité. On va avancer. Un autre dossier également sur l'insécurité, que ce soit dans la partie est du pays comme dans la partie septentrionale du pays. La question de Boko Haram est une question qui interroge tout un peuple, Médard Lipote. Oui, tout un peuple d'ailleurs. Et là, vous avez parfaitement raison, c'est tout le peuple qui est interpellé. Je ne vais pas céder à la provocation de M. Bidon. Surtout, ne le faites pas. Oui, la dernière phrase qu'il vient de prononcer, il en assume la pleine responsabilité. Le MRC est un parti républicain qui soutient les institutions de la République du Cameroun. Quelles qu'elles soient, militaires, parlementaires et... même au niveau des institutions, toutes les institutions républicaines du Cameroun, nous les soutenons. Pas un homme, il dit bien les institutions. Cela dit, au MRC, nous pensons que le gouvernement, tout à l'heure, je n'ai qu'une parenthèse, le porte-parole du gouvernement a dit récemment avec emphase qu'il y avait la misère dans l'extrême nord et que c'était facile d'acheter des gens pour les enrôler dans les bandes armées. Nous, on n'utilise pas le mot Boko Haram. Et personnellement, je suis persuadé, ce n'est pas le Boko Haram ou Boko Haram. C'est bel et bien des bandes armées. C'est une rébellion en bonne et due forme. C'est des bandes armées. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Ils fonctionnent en situation de cache-cache pour l'instant. Il faut faire attention. Ne faisons pas la fausse publicité à ces gens-là qui peuvent se fâcher et agir selon leur mode opérationnel. Qui est celui-ci? Il faut le décrire. Il faut le signaler aux Camerounais. Largue une bombe quelque part, là où il y a la foule. On actionne la bombe à distance et des centaines de morts et de blessés. Non, on a compris le mot d'opératoire. On avance maintenant. S'il vous plaît, ce que nous disons là tourne en boucle sur toutes les chaînes de télévision du monde entier. Je n'ai pas inventé ici la poudre. On sait. Voilà. Cela dit, en ce qui concerne notamment cela, le MRC a une position qui est très claire. Les bandes armées en question, le gouvernement de la République, d'ailleurs le président du MRC, Maurice Kamto, l'a signalé depuis des mois et des mois, d'apprendre ses responsabilités de la protection des Camerounais. Et s'il vous plaît,
Cette insécurité en question, le porte-parole du gouvernement avait quelque part raison. Voilà des gens qui disent que le Cameroun s'est enrichi. Ou alors c'est mieux qu'avant. Voilà des gens. Ils n'ont pas d'indicateurs. Je vous rassure que à niveau de développement égal, ou à niveau de ressources plutôt, de potentiel égal, le Cameroun est à la traîne 2 à 3 fois par rapport aux autres pays africains en termes de ressources. Okay. En termes de ressources. Okay. Le Cameroun arrive difficilement à atteindre les 3%, en réalité, hein, les 3% des chiffres de croissance. Alors que celui qui sort de la crise, comme l'Égypte, effleure déjà, ne serait-ce qu'officiellement, les 10% de croissance. Il faut faire très attention. Sortez sur la question maintenant. Il faut faire très attention. Donc, sur ce plan-là, effectivement, l'insécurité en question va aussi être réglée par des questions sociales. Le social, le MRCI travaille actuellement très dur sur les questions d'ordre social. Et d'ailleurs, on s'insurge contre la CNPS, est rétrocédée, c'est dit-on, un immeuble qu'ils ont acheté. D'accord, s'il vous plaît. Depuis 20 ans, depuis 70, l'allocation familiale, c'est 5 000 francs tous les 3 mois pour un seul enfant. Merci. Mais ils font le commerce de 15 milliards d'immeubles. Vous parlez de la politique du MRC. Cela dit, effectivement, nous sommes très clairs à ce sujet. Nous sommes très clairs à ce sujet. Le taux de croissance, les indicateurs macroéconomiques du Cameroun sont très faibles et ne permettent pas d'atteindre en fait le mot qu'ils avancent. D'accord, là. Le professeur, sur la question de la sécurité transfrontalière avec les attaques de part et d'autre, votre mot là-dessus. Je voudrais vous demander pardon et demander pardon à nos téléspectateurs de revenir juste un tantinet en une seconde derrière pour dire à M. Atemunga que il y a la sociologie économique et qu'il y a deux types de sociologie. Il y a la sociologie quantitative et il y a la sociologie. Très bien dit. Et que sur ce plan-là, les statistiques, on les connaît suffisamment. Je voudrais aussi lui dire, peut-être pas les statistiques économiques, pour un enseignant de mon rang, je ne suis pas un sociologue de bas étage. Je me balade à travers les sciences sociales. Cette précision est en fait à ce titre-là. S'il veut des cours sur les statistiques et la manipulation des statistiques, il viendrait volontiers chez moi. Cette précision est en fait... maintenant, on revient à la question. On revient à la question maintenant. Je reviens directement à la question. Oui, vous n'en avez pas. S'il vous plaît, allez-y. Je le dirai directement que sur la question de l'insécurité, il y a aujourd'hui un gros problème. Les pouvoirs publics ont pris avec beaucoup d'arrogance et de légèreté les menaces sur les problèmes d'insécurité dont le Cameroun est victime aujourd'hui. Si on va au niveau de Boko Haram, il y a deux problèmes de ce côté-là. Le premier, c'est la porosité de nos frontières, qui en réalité a fait en sorte que le Cameroun est devenu un corridor pour la résolution d'un problème interne au Nigeria. C'est-à-dire que les Nigériens ne voulaient pas du tout, dans la logique des usages internes, on ne voulait pas du tout d'un sudiste au pouvoir, et les nordistes ont mal pris ça et ont organisé et financé Boko Haram à la faveur de l'accession à la souveraineté suprême de M. Goodluck Jonathan. Deuxième raison, après la porosité de nos frontières. Et cette porosité de nos frontières a fait en sorte qu'on a fait du Cameroun une sorte de sanctuaire où les armes passant par le Soudan, traversant à la fois par la RCA et le Cameroun, c'est devenu une zone de transit. Et deuxième élément, c'est devenu également un repli territorial pour quand les autres étaient chassés de l'autre côté. Justement, et troisièmement, il y a le deuxième élément qui va être important, c'est que les uns et les autres ont fait de la ressource de l'insécurité des entrepreneurs d'insécurité comme étant une ressource politique. Il ne faut pas se le cacher. Okay. La réalité est bien connue. Jean-François. Et les pouvoirs publics le savent. La réalité aujourd'hui, ce qui nourrit la psychose, c'est que le régime en place n'arrive même pas à communiquer d'une manière sincère sur ce qui se déroule au niveau de l'extrême nord du Cameroun.
Et il y a eu des nominations récemment. On en parle tout à l'heure, avec votre permission. On en parle tout à l'heure. En temps de guerre, on ne dit pas tout. On en parle tout à l'heure, avec votre permission, s'il vous plaît, on avance. C'est ce qui me gêne. Jean-François Chanon, on ne va pas s'éterniser sur la question. Jean-François, sur cette question, est-ce que la situation sécuritaire, on peut dire que dans la région de l'Est, par exemple, on est un peu plus tranquille avec, par exemple, les menaces de la Séléka et autres. De ce côté, on peut dire que tout est sécurisé là-bas. Bon, il faut savoir une chose, hein, c'est que depuis un temps, en tout cas, depuis que des postes de commandement ont été créés ces derniers temps par nos forces de défense et qui se sont impliqués sur le terrain, il n'y a pas eu ces derniers jours-ci, à ma connaissance, ces incursions qu'il y avait comme avant, sauf récemment, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on partage une très longue frontière avec la Centrafrique. Et il est difficile de mettre au kilomètre près, c'est-à-dire qu'il faut plus beaucoup d'hommes, hein. Moi je ne suis pas un spécialiste des techniques de défense, mais de mettre chacun dans un kilomètre, un militaire pour surveiller, etc. C'est assez difficile. Ça, c'est impossible. C'est assez difficile. Mais en tout cas, on a, dans le passé, été vraiment humilié par les bandits, moi je les appelle ainsi, de la Séléka, qui ont semé la mort dans leur pays et que les Français laissent aujourd'hui continuer à parler à haute voix alors que, en fait, cette guerre provient effectivement de la Séléka qui a voulu créer l'insécurité de manière générale en Centrafrique et aussi au Cameroun. Mais ce que je voudrais dire, et je me permets de le faire, parce que ne pas le faire, ce serait peut-être malhonnête de ma part. Je voudrais saluer vraiment, sincèrement, le travail de nos forces de défense, qui parfois travaillent dans des conditions très, très difficiles. Hein? Abjectes. Très, très difficiles. Et qui meurent sur le terrain. Et dans un système où je n'ai pas le sentiment que ceux qui nous gouvernent se prennent la mesure, effectivement, du travail que ces gens, parfois avec un matériel qui n'est pas toujours aussi performant que cela, pour faire face à un ennemi qui n'est pas, c'est pas une guerre conventionnelle, qu'on va dire que ben, les voilà devant nous. Et je crois que le professeur Adé a fait une analyse un peu de cette guerre, à dire comment ça a commencé et ce qui se passe exactement. Non, laissez-moi terminer. En disant que si on ne règle pas la question, j'allais dire, de pauvreté dans cette zone, du moins au niveau de l'extrême nord, on encourage Boko Haram. On encourage effectivement Boko Haram. C'est-à-dire le renseignement que vous devez donner, qu'on doit acheter chaque jour, ça doit se faire. Là, ce n'est pas une affaire de... Et moi, je termine, parce que En 10 secondes maintenant. Je m'en voudrais de ne pas le relever ici. Parce que quand j'ai entendu ce loi dire que c'est une affaire de parti politique, que tous les partis devaient faire, il faut d'abord commencer par regarder dans votre propre visage. Je n'ai pas vu des réunions spéciales du bureau politique du RDPC, du comité central du RDPC, depuis que l'affaire Boko Haram existe. Je ne l'ai pas vu. Et l'autre jour, j'ai vu simplement une tribune. J'ai vu simplement une tribune du secrétaire national à la communication. Une membre du SERAC est prisonnière. S'il vous plaît, personne ne parle. Voyez-vous ça? Commencez déjà par regarder l'action de votre propre parti vis-à-vis du RDPC. Et c'est peut-être choquant de le dire, mais c'est la vérité. En deux mots, je pense que tout État cohabite avec une dose plus ou moins importante d'insécurité. Et nous vivons une crise relativement sérieuse depuis les années 90 ou les années 60. Mais c'est une crise qui pour l'instant est maîtrisée, maîtrisable et maîtrisée. Nous ne sommes même pas au niveau d'une guérilla, contrairement aux suppositions, aux allégations. Il y a des incursions qui effectivement remettent en cause la vie paisible de nos compatriotes vivant dans certaines parties du territoire. Mais pour l'instant, ça reste gérable. Une guérilla peut se développer ensuite, puisqu'on n'en est même pas encore à ce stade, s'il y a une adhésion populaire. Ce n'est pas la pauvreté qui est partout présente au Cameroun,
qui va faire adhérer le peuple camerounais aujourd'hui à une quelconque guérilla qui pourrait envisager une transition mais vers attends, le de quoi parlez-vous parce que c'est, de quoi parlez-vous toutes les spéculations qu'on écoute aujourd'hui, c'est ces arrière-pensées. Vous êtes parti à l'extrême nord depuis que cette histoire j'y vais en mission régulièrement. Moi, je vais très donc vous n'avez pas compris le tissu social qui vit actuellement cette histoire. On ne peut pas laisser dire ça. On ne peut pas laisser dire ça. C'est pour analyser. C'est votre vision analyse. Les gens qui vivent cette situation, ce sont des Camerounais. On est tout à fait d'accord. On n'a pas le droit de mépriser les souffrances qui sont les leurs en ce moment. Il y a un chef d'État. Allez dans la logique qui veut opposer les nordistes et les sudistes en disant que c'est leur problème là-bas. Est-ce que vous êtes allé à l'extrême nord? Vous voyez comment des familles sont déplacées? Si vous avez des solutions, allez régler le problème. Je suis pas le chef de l'État. C'est bien beau de parler. C'est bien beau de parler, mais la responsabilité de ceux qui sont à la tête de notre État, ils font tout pour régler ce problème. Et pour l'instant, je crois que quand vous avez vu les derniers sondages d'un institut, vous qui faites les statistiques, vous les sociologues, un institut de sondage helvétique vient de faire un sondage, vous avez vu le taux de popularité du président Biya par rapport à ses collègues africains. Vous avez vu, même au niveau des médias internationaux, la presse écrite béninoise, togolaise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a qu'au Cameroun, nous on estime qu'ils sont en vacances, le président ne travaille pas. Partout ailleurs, on a dit. C'est le président objectif. Jusqu'à là, le président le plus efficace dans la lutte contre le Boko Haram, partout ailleurs, on dit c'est le président Biya. Okay. Le problème substantiel est il est au Nigeria. C'est au Nigeria. Rien ne nous dit que c'est Boko Haram, effectivement. Ah oui, ça, ce sont des situations. Boko Haram, c'est au Nigeria, c'est pas Cameroun. Pour l'instant, on est qu'à un stade d'incursion qui, effectivement, met nos citoyens dans l'insécurité, mais. C'est un problème qui est géré et gérable actuellement. D'accord, merci. Juste un seul mot, Saint-Éloi, sur la question des otages. La liste s'allonge encore. C'est une question aussi sérieuse. Vous avez accordé 15 minutes à des gens qui ont dit et redit ce qu'ils avaient déjà dit. Et moi, vous me donnez une minute. D'accord, d'accord. Prenez une minute supplémentaire. Le problème Boko Haram est sérieux. Le président Biya a déclaré à Paris qu'il déclare la guerre au Boko Haram. Sauf si je devais repartir à l'école, j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas du Boko Haram, qui est un groupe islamiste bien, qui a une philosophie, une politique. Donc, il s'agit tout simplement d'une forme moderne de bandits qui ont laissé la machette et qui ont pris les armes. Maintenant, là, il faut avouer, Chanon parlait tout à l'heure, il faut résoudre la question de la pauvreté au Nord. S'il y a l'état de pauvreté au Nord qui se vit en ce moment, plus qu'ailleurs, c'est d'abord parce que les élites du Nord ont trahi. Et posez-moi la question de savoir comment ils ont trahi. Je vais vous le dire. Laissez-moi chuter. Les élites. D'ailleurs, le président a passé 32 ans et n'a jamais renouvelé l'élite politique du Nord. 32 ans. Mais c'est sa faute. Non, attendez. C'est donc sa faute. Donc, vous savez que ces élites ont eu les mêmes moyens que toutes les autres élites. Mais aujourd'hui, la pauvreté sévit plus là-bas. Personne n'a le monopole de défense et des intérêts de la pauvreté dans le Grand Nord. Ça nous concerne tous. Parce que quand ça crépite là-bas... Vous n'essayez pas de dire quand même que le problème Boko Haram, c'est un problème des élites du Nord, quand même. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Laissez-moi préciser ma pensée. Il y a beaucoup de gens, tout le monde sait que le président Biya a plus de 80 ans. Et que c'est la bataille de succession qui a commencé là. À travers des groupes de malfrats, et ce n'est pas le Boko Haram. Quand le Boko Haram passe quelque part, on ne pose pas la question. Okay. Saint-Éloi, merci également à vous. On va prendre une pause juste pour voir un peu l'action du gouvernement dans cette partie septentrionale du pays avec l'installation cette semaine des nouveaux responsables de forces de défense. Un reportage qui porte la signature d'Ebel Olinga, Serge Ziebou, Constant Kamga.
Alors, on revient sur cet élément qui a quelques petits problèmes au niveau de nos machines. Je parlais justement du déploiement des forces de défense dans la partie septentrionale du pays après la psychose dans cette zone. Le gouvernement a pris une décision nommant certains responsables dans cette partie. On regarde ce reportage qui porte la signature d'Ebel Olinga, de Serge Djebou et de Constant Kamga. Kousséri, ce 21 août 2014. Le temps est morose. Il a épousé la mine des habitants de la cité capitale du département du Logoneshari. Les rues de la métropole frontalière sont moins bondées de monde. On a l'impression qu'on vit ici la peur dans le ventre. Le pont Guéry, qui relie le Tchad au Cameroun sur le fleuve Logone, est moins bruyant. Le trafic a considérablement baissé. La ville est au ralenti. L'activité économique au bord de l'asphyxie. Mon activité ne marche pas bien compte tenu du temps qu'on ferme la ville un peu vite. Le balai incessant des mototaxis a cédé la place à celui des patrouilles pédestres et motorisées. La ville peine à s'habituer à son nouveau décor. D'une part, ça peut rassurer, mais pour une personne qui a grandi sans voir ces choses-là, psychologiquement, ça peut aussi atteindre le cerveau de quelqu'un. Le Cameroun est en guerre dans cette partie du pays. Une guerre d'un autre genre. Ici, l'ennemi agit sans prévenir. Il a l'initiative des attaques. Entre crainte et suspicion, la vie suit son cours à Kousséri. L'armée camerounaise a renforcé son dispositif et attend l'ennemi, qui peut être n'importe qui dans cette population. Et dans cette guerre asymétrique, des prévisions sont difficiles. Ce que les populations doivent également retenir, c'est que les mesures militaires seules ne suffisent pas. Elles doivent participer à la sécurisation. Elles doivent coopérer avec les forces de défense. Face à un ennemi invisible, le renseignement est la meilleure arme. Mieux que jamais, la collaboration de la population est la clé de voûte. À tous les Camerounais, je demande de continuer à faire confiance au gouvernement, aux forces de l'ordre. En amont, le chef suprême des armées a mis en place un dispositif. À situation spéciale, mesure également spéciale. J'ai envoyé des secours, des renforts en hommes et en matériel. Il n'est pas exclu, je ne peux pas en dire plus. Nous avons renforcé notre potentiel. La troisième région militaire interarmée éclate en deux. Des hommes nouveaux, mais surtout jeunes, sont portés à leur tête. Le colonel Frédéric Djonkep prend le commandement de la troisième région militaire interarmée qui comprend la région du Nord et celle de la Damawa. Le président de la République, chef des armées, vous ordonne de tout mettre en œuvre pour consolider la paix sociale. La sécurité des personnes et des biens et l'intégrité territoriale du Cameroun dans votre zone de responsabilité. Les colonels Jacob Kodi et Souleymane Oumassoukano assurent désormais les fonctions respectives de commandant de la 4e région militaire interarmée et commandant de la 4e région de gendarmerie. Le président de la République vient de vous envoyer deux guerriers confirmés. Ils sont là pour faire la guerre contre Boko Haram. L'ordre, la paix sociale doivent régner par tous les moyens dans la région de l'extrême nord. Et vous n'avez pas de choix, vous devez réussir ou c'est vous qui allez disparaître. En chef de guerre, le président de la République crée une brigade d'infanterie mobile à Kousséri. Cette unité tactique est confiée à un jeune officier supérieur des armées, le colonel Kuitje. Je crois que les jours à venir montreront que nos efforts pour organiser une riposte et une défense de notre territoire sont efficaces. Voilà, on revient maintenant. Les esprits, j'espère, se sont calmés sur la question
de tout à l'heure. On reste maintenant encore avec les dossiers sur la table du président de la République. Après la débâcle des Lions indomptables au Brésil, la Coupe du Monde, eh bien, on va dire qu'il y a eu une enquête. Et aujourd'hui, depuis vendredi déjà, on a les premiers, on va dire, résultats de l'enquête sur la débâcle des Lions indomptables. Un staff technique qui a été plus ou moins renouvelé. Et puis, par la même occasion, on a assisté hier à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. On commence par vous. Est-ce que Sosthène Meda Lipot, selon vous, les premiers résultats, on va dire ainsi, rendus après l'enquête sur la débâcle des Lions, on constate que la confiance a été renouvelée à Volk Finke. Certains joueurs, on a vu dans la liste de Volk Finke, certains joueurs écartés de cette liste. Pour vous, c'est un début de solution ou alors c'est un saupoudrage? Mais vous êtes très gentil. Bon, c'est bien, c'est votre caractère, monsieur Bouba. C'est plutôt... non, on n'a jamais présenté les résultats de l'enquête qui a été commandée. On avait dit un mois, n'est-ce pas? Mais là, il y a eu des nominations. Même si c'était en réalité l'enquête, on ne nous a pas dit que c'était suite à ces résultats. Donc vous offrez là une béquille à celui qui a une béquille, je dis bien une béquille, au sens propre comme au sens figuré, à celui qui a commandé l'enquête. Il va s'appuyer sur cette béquille pour dire voilà, pour que la béquille soit solide. Donc sur ce plan-là, nous pensons que quelque part, par contre, votre mot saupoudrage, il est bon, c'est une autre béquille, mais qui elle est sans doute est plus réelle, mais ils ne vont pas la prendre comme ça. Ce qui a lieu de faire ici, c'est que, à notre humble avis, les résultats de cette enquête auraient pu être publiés dans les délais. Mais on sait que chez nous, les résultats de cette enquête ne sont pas publiés. Maintenant, concernant le sport au Cameroun, ou les sports, ou le football précisément, par rapport à l'Africa Foot, il me semble que ce comité de normalisation a tout fait pour faire bien son travail. Bon, il y a de nombreuses critiques à ce sujet, à leur sujet, mais pour l'instant, j'avoue que je ne maîtrise pas les dossiers concernant les critiques irrelatives. Cependant, regardons le football au Cameroun. Né à Yaoundé que je suis, école maternelle, école primaire, école, lycée Leclerc et consorts, moi j'ai vu le manque de football à Yaoundé. Et à l'époque, nous jouons dans nos lycées, il n'y a plus d'air de jeu au Cameroun. Ils sont rares de football. Ils sont rares. Je me souviens que c'est à l'autre époque où on avait mis du sable sur le terrain du lycée Leclerc. À l'époque, c'était d'abord de la terre. Voilà. Et il n'y a plus de structure qui organise le football depuis la base. Il n'y a pas d'infrastructure. Un pays qui peut se targuer, entre guillemets, d'avoir préparé 7 Coupes du Monde, n'a même pas un seul stade digne de ce nom. Le stade en finition du côté de Limbé, en réalité, ne remplit même pas encore les critères objectifs pour sa sélection, pour y jouer, même la compétition. La CAN que la Libye ne veut pas organiser en 2017, parce qu'ils sont en trouble là-bas, il y a la guerre civile. Donc, voyez-vous, quelque part, on aura beau faire les meilleurs textes, on aura même peut-être beau choisir les meilleurs hommes, mais vous savez très bien que, parfois, les hommes et les structures, il y a une corrélation. Mm-hmm. En revanche, maintenant, je continue de le dire, c'est une béquille pour ceux-là qui pensent que, ils ont commis une commission d'enquête par rapport au football du Cameroun parce qu'effectivement, les vrais problèmes fondamentaux ne sont pas encore réglés. Les textes vont rester des textes, tout simplement. Jean-François Chanon, comment comprendre, par exemple, que dans un tel environnement, classé 32e sur 32 nations, que 52e sur 32, le classement de la FIFA, juste au lendemain de la Coupe du Monde, non, Richel, quoi. Mettait le Cameroun 52e. Sur tendu. D'accord, ok, hors échelle, on va dire ainsi. Alors, qu'un entraîneur, par exemple, le cas Volk Finke, soit maintenu à son poste et que, par exemple, on tranche la tête à certains joueurs, ça veut dire que le problème de la Coupe du Monde, c'était les joueurs, non l'entraîneur. Lève-moi à sourire, parce que tout ce qui se passe à la FECAFOOT ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'on a pris le football, on a mis dans la tête des Camerounais comme sujet essentiel de société, pendant que tout autour, le système continue de laisser notre pays plonger. Et je suis vraiment désolé de savoir que on va refaire à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire, on reprend les mêmes et on recommence. Parce que ce qui s'est passé au lendemain de la logique, en 2010. Oui, voilà, effectivement. La logique voudrait que, quand le président de la République demande... commande une enquête et qu'à l'issue du temps donné, qu'au moins le gouvernement communique
communique. Je ne sais pas si c'est le président de la République qui a demandé cette enquête, mais je sais simplement qu'il y a eu un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République disant que le président de la République a demandé une enquête. Parfois, vous savez, ce qui se passe au palais de l'unité est tout à fait souvent complexe. Parce que la moindre des choses, c'est qu'on aurait pu savoir exactement quelles sont les conclusions essentielles de cette enquête, que le public le sache. C'est simple, pour question de clarté, parce qu'on a occupé nos esprits pendant la Coupe du Monde, on a, avant la Coupe du Monde, je vais dire, avec les problèmes des primes des joueurs, des crises, de tout ça, c'est-à-dire, il ne faut pas que le football redevienne un autre Boko Haram pour les Camerounais, continue de l'être aussi. Parce que... Une nébuleuse. Oui, une nébuleuse où on veut clarifier la gestion, mais on étouffe encore et puis on recommence sur quelle base et tout. Aujourd'hui, ce sont les anciens joueurs qui sont très en colère. Ah, les nouveaux tests là, vraiment, ça nous va pas. Et puis après, on dit non, l'entraîneur, ben, il est nul, il ne sait pas faire du coaching, il se laisse influencer par le capitaine des Lions Indomptables, etc., etc. Et puis après, il a ses résultats là, et il y a également, pour m'exprimer ainsi, on le remet en selle, on dit que non, il doit encore essayer là. Mais de qui se moque-t-on finalement? De qui se moque-t-on dans ce pays-ci? Mais attendez un peu, professeur. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Joseph Ouna, qui a formé une génération d'intellectuels au Cameroun. Hein. Et quand on lui donne une tâche comme celle-là, il ne faut pas que son nom se retrouve dans la boue. Donc, il faut faire œuvre utile. Mais si on est conscient que le football représente quelque chose d'essentiel pour notre société, pour notre pays, pour notre nation, on se met sur la même table, on se regarde en face, on dit qu'on en fait un vecteur de développement de notre pays. Alors, mais ce n'est pas le cas en ce moment. De quoi s'agit-il donc? De quoi s'agit-il? Justement, je pose la même question. Quand on retrouve dans les nouvelles nominations un Bidas à la tête de la direction administrative de l'équipe nationale, un octobédiste comme médecin de l'équipe nationale, un entraîneur dépassé, on s'interroge. Est-ce qu'on veut vraiment résoudre le problème dans un temps? Moi, je ne veux pas laisser mon esprit se faire violer comme ça de manière innocente. Je me fais violer par les écrits, mais à condition que ces écrits-là soient de bonne facture. Je ne veux pas laisser mon esprit se faire violer. Je vous dis, le sport et particulièrement le football camerounais a atteint un niveau d'affaissement à nul autre pareil. C'est-à-dire que nous sommes au fond et on a une impression qu'on n'a toujours pas atteint le fond. Ouais. On creuse encore de creuser le fond. Pour atteindre, je ne sais pas trop quel autre fond, alors qu'on a rien atteint véritablement cet affaissement-là. D'une manière beaucoup plus simple, ce que je voudrais dire, pour que nos téléspectateurs le comprennent beaucoup plus facilement, il faut dératiser le milieu du football. C'est des rats qui sont là-bas. C'est des rats. Vous connaissez la mentalité du rat, c'est quoi? C'est que on vous posez à manger chez vous, il n'a pas produit cette nourriture, il vient, il vole, il ne produit rien, il vous produit plutôt des déchets, que vous devez plutôt venir essayer de résoudre. Et avec la logique d'Ebola, peut-être vous a-t-il laissé un Ebola derrière, voyez-vous. Et il me semble que ce qui se déroule au niveau de l'Afrique Foot est un Ebola que on devra probablement gérer plus tard. Ce n'est pas amusant ce que je dis. Je prends des termes imagés comme ça pour que le commun des mortels puisse me suivre. Je suis dans le regret de constater que le professeur Ouna, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est nos devanciers qui ont de la hauteur intellectuelle sur ce plan-là, se soit rendu complice d'une situation, on l'a piégé et malheureusement il est tombé dans le piège. Au lieu de la fécafoot, on est dans la cacafoot. Et ça, je regrette de le dire. Vraiment qu'on m'excuse de ce terme trivial que j'utilise, mais qui est un terme qui est employé aujourd'hui par beaucoup de Camerounais. Alors, on est dans la cacafoot. Alors, à la fécafoot, moi je préfère, au lieu de cacafoot, fécafoot. C'est un footballeur caca. Bon, caca aussi, c'est un footballeur. Oui, oui. D'accord, oui, mais lui, c'est pas cacafoot. Alors, Saint-Éloi Bidoum, sur la question de l'AG, l'Afrique Foot a tenu son Assemblée Générale. Les textes proposés par le comité de normalisation ont été pratiquement adoptés. S'achemine-t-on vers la sortie de l'IMPAX à l'Afrique Foot? On s'achemine effectivement vers la sortie. Il n'y a pas eu de forceps.
pour adopter les tests. On a vu à l'unisson Monsieur Ona et le représentant de la FIFA réciter le même chapelet. Donc, non, je voudrais dire, je vais donner un peu de matière au professeur Claude Abbé, qui va se charger de faire de la recherche dessus. Je dis, au-delà des facteurs institutionnels qui constituent l'unité nationale d'un pays, et je vous suggère d'étudier le cas du football, le cas de la sauce jaune et le cas du bas-ventre au Cameroun. Le football est devenu quelque chose de trop sérieux. Les Camerounais y attachent du prix. Et il est hors de question que les gens viennent et continuent à s'amuser avec. Le football a tout donné au président Biya, il faut le dire. Mais malheureusement, pendant longtemps, il a semblé dresser un mur d'indifférence quand les Camerounais ont commencé à pleurer pour le foot. Je me suis réjoui d'entendre le secrétaire général de la présidence de la République dire que le président de la République a instruit une enquête. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Moi, je ne crache pas dessus. Est office agrégé de football analphabète. Voilà un individu pour qui on a commis toutes les erreurs de casting, qui n'a pour valeur que mon père peut battre ton père, qui s'est retrouvé capitaine de l'équipe nationale et qui a foutu le bordel. Voilà Songo Jacques, un ancien lion indomptable, pour qui tout le monde a pensé que son arrivée à l'équipe nationale allait permettre de mettre un terme à certaines pratiques qui les a multipliées. Alors je dis, si est office est parti, Songo est parti, ce n'est pas encore la solution, c'est un début de solution. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont dans la tanière, qui ne méritaient plus d'être là? Il faut éradiquer cette affaire. Effectivement, on foutu le bordel au cas Rigobert Song, Bernard, par exemple. Oui, je vous dis qu'ils sont nombreux. On a commencé à faire partir certains. On ne peut pas cracher dessus. Il faut que ça continue. Alors, Jean-Baptiste Atemenguer, on dit non seulement au-delà des nominations et au-delà des décisions, il y a eu trop de copinage dans la prise de décision par rapport à la solution que cette commission d'enquête a eu à commettre. C'est votre avis également? Le ministre du football s'est retrouvé en erreur. Non, mais moi, je pense que si les Camerounais se plaignent, c'est d'abord par rapport aux résultats de l'équipe nationale de football. L'ensemble du football connaît des problèmes d'infrastructure, tout le reste. Mais quand les Lions indomptables gagnaient, nous n'avions pas plus de stade que maintenant. Et d'ailleurs, certaines équipes, comme le Cap-Vert, qui nous ont éliminés, n'ont même pas un seul stade. Ou le Togo, je ne sais pas qui nous tape aujourd'hui. Ils n'ont pas plus de stade que nous. Non, dans les Lions, ils n'ont aucun stade. Laissez-moi parler. Allez-y, s'il vous plaît. Et en termes de primes, j'ai entendu parler de primes. On n'a jamais payé, ça aussi, comme vous êtes sociologue, vous faites des statistiques, on n'a jamais payé de primes aux Lions indomptables que ces 10 dernières années. Mais les résultats sont l'inverse. Donc, pour vous, le problème, c'est les lions indomptables ou c'est le système? Ce sont les joueurs qu'on sélectionne qui sont mauvais. Non. Si aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas celui qu'on sélectionne qui est mauvais? Ce n'est pas structuré. Mais, si vous me dites c'est Fink qui sélectionne, moi je vous dis foutez-le dehors. Mais si ce n'est pas lui et qu'il y a des gens qui imposent n'importe qui est au capitaine, on sait qu'il est boiteux, ne joue plus, tel ceci, mais foutez-le dehors. Mais ce sont les joueurs qu'on met dans les lions qui sont mauvais, vieux et mauvais, avec des âges truqués. On s'accommode avec notre faux. Ils vont jouer avec des jeunes de 20 ans. Ils n'ont pas de talent. On les prend quand même parce qu'ils sont les amis de tels. Ce sont les joueurs qu'on sélectionne qui sont mauvais. Un point très. C'est pas... Le reste, il y a des problèmes. On peut les résoudre. Et moi, je félicite le professeur Joseph Ona. Moi, je ne pense pas que... Parce que c'est un milieu très compliqué. Aujourd'hui, ceux qui sont contre ont leurs intérêts. Pour dire qu'ils sont contre, ceux qui sont pour ont leurs intérêts. Mais le football, c'est comme avec les artistes là. C'est devenu quelque chose où... les Camerounais étalent parfaitement leur tendance anarchiste et où personne, tout le monde a raison, il n'y a pas... Ce sont les mêmes textes qu'on va faire voter ici, qui existent ailleurs, qui existent au Brésil, au dans les fédérations de football. Donc ce n'est pas un problème de texte. Ok, Sostène Médard Lipote, une autre récrimination, une autre récrimination. Certaines personnes pensent que les collaborateurs du chef d'État, tapis à la présidence de la République, tirent les ficelles dans l'ombre et roulent pour certains membres de la Fédération camerounaise de football. Conséquence, on ne sortira pas de l'auberge de sitôt. C'est votre avis? À travers les échanges que l'on a entendus, publics, dans la presse, dans les réseaux sociaux, on peut penser qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles. Et je voudrais rappeler à ceux qui sont optimistes par rapport à la sortie qu'on ne soigne pas la varicelle en aspergeant sur les pustules du mercurochrome, de la bétadine. Non,
Je suis désolé. C'est la politique publique du Cameroun en matière de sport et du football précisément qui fait problème à ce sujet-là. Et mais comme vous voulez soigner en fait la gale, ennuyer ce genre de mercurochrome, allez-y. Parce que ça sent mauvais. La gale et même la pustule sent mauvais. Oui, mais si c'est là, vous pensez que vous allez soigner le sang. Je voulais vous dire une chose. Effectivement, il y a un problème ici de politique publique en matière de sport. Le football camerounais souffre effectivement de cela. Nous avons un cadre en fait légal qui est désuet. La loi 72, par exemple, est en contradiction avec ce que la FIFA, une association à laquelle la Fédération camerounaise de football elle-même a adhéré. C'est-à-dire que quelque part, il y a un bicéphalisme à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est le ministre, c'est le président de la fédération, c'est les deux à la fois, avec prééminence par rapport au Cameroun du ministre des sports. Je crois que cela a été rectifié hier à l'AG, avec les textes adoptés hier. On a résolu ce problème. Ce que veulent les hommes en charge de les appliquer. Nous attendons. C'est pourquoi il dit que en fait, l'optimisme en question est tel que on peut avoir les meilleurs textes, les meilleures intentions par rapport à ce qui est là-bas. On est d'accord, le complexe s'est réuni, est extraordinaire. En revanche, le problème est très systémique. Le cap vert que vous avez, je vous invite tout à l'heure à la fin, de vous montrer comment est-ce que le cap vert a mis sur pied sa politique sportive. Okay. Et vous voyez comment est-ce que ce pays, dit petit, okay, insulaire, a réussi à nous battre et a réussi à battre les grandes puissances. Voilà, trois minutes, une pour Jean-François Chalon et une pour le professeur Claude Abbé. On commence par, vous. Alors, pour vous, il faut aller plus loin que ça avec ces décisions? C'est un coup de pied dans l'eau? Non, je veux commencer par dire que d'abord, il faut se comprendre aujourd'hui pour nos, à nos chers lions indomptables, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui ne le seront demain. Le football aujourd'hui, je ne suis plus journaliste sportif depuis longtemps, mais je suis quand même, j'observe, c'est trois choses. Hein. Technique individuelle, talent et rapidité. Il faut qu'ils le sachent, hein. On ne triche plus. Si vous voulez tricher avec l'âge, on saura. Votre performance sur le terrain vous amènera peut-être à faire des coups ou alors à bagarrer avec votre propre coéquipier, etc. Mais je ne vais pas l'évoquer comme ça pour revenir sur des événements douloureux. Moi, j'aime bien les lances de notables. Je suis simplement dessus que tout le système qui est mis autour d'eux. Vous savez très bien ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. On dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le professeur Onaya est en train de préparer l'entrée en liste du secrétaire général. Vrai ou faux? Mais enfin, M. Tombi, pour avoir aussi été responsable de ce milieu, a bien le droit de dire qu'il peut devenir président de la République. Légitimement, on ne peut pas lui donner cette instruction. Moi, je veux dire simplement qu'il faut qu'on redevienne tous sérieux. C'est-à-dire que si on a des nouveaux tests aujourd'hui, je crois que M. Atiming l'a chuchoté tout à l'heure, ce n'est pas les tests qui jouent au ballon, hein. On peut avoir les très beaux textes, voilà, mais il faut refaire objectivement une équipe nationale de qualité. Alors, et avoir les un système clair. Si on veut recruter un entraîneur, mais on fait un appel d'offres national et international. Les gens se posent candidats, on les auditionne. On vous a compris. Mais ça ne doit pas être une affaire où un type qui est de la FECA Foot va recruter un entraîneur qui lui verse une partie de son salaire, comme j'entends. J'espère que c'est faux, hein, ce que j'entends de là, de gauche à droite. Parce que nous sommes amenés à rendre médiocre notre pays où on crée des petits lobbies qui font en sorte que étant tu fais les structures, les infrastructures. D'accord, étant dans le milieu, je et même peux, du management. Non, étant dans le milieu, je peux vous confirmer, Chanon, que c'est vrai, c'est pas faux, c'est là. Alors, on termine avec vous. Le Cameroun a une échéance importante le 6 contre la République démocratique du Congo. Je peux vous dire qu'on va se qualifier. Ce n'est pas parce que je suis un oiseau de mauvais augure. Pourquoi est-ce que vous dites mais le système n'a pas changé, c'est clair. Le saupoudrage, la cosmétique institutionnelle qui est en train de se mettre en place ne donnera rien. Parce que le problème est un problème de fond. Je vous ai dit qu'on a atteint un niveau d'affaissement. Vous parlez d'Ebola, la FECAFOOT? Oui. C'est Ebola. On est presque là. Il faut trouver notre maladie, notre remède. Vous arrivez propre, on vous encercle avec les mêmes trucs. C'est un problème d'ordre. Il faut l'antidote. C'est un problème d'ordre institutionnel. C'est un problème de politique. Il faut d'abord penser la politique du sport. Et précisément, la politique en matière de football. Et le penser devra demander qu'on ait également un certain nombre d'infrastructures. Hier, on a fait dans la débrouille, c'est-à-dire, M. Atemung ne le savait pas, que hier, chaque terrain vague qui était ouvert, on jouait au football là.
Aujourd'hui, ces terrains vagues qui étaient ouverts, les gens ont acheté. C'est-à-dire les manias qui sont des prédateurs fonciers aujourd'hui. Le petit nombre de gens qui se sont enrichis, enrichis au dos de l'État. Ont en réalité acheté partout et on ne peut plus jouer au football. Ça signifie qu'il faut d'abord structurer le football en soi. Avant que les gens n'arrivent au terrain, il faut structurer. C'est quand on a structuré qu'on a effectivement un certain nombre de résultats. Donc il y a un déficit de conséquences qui amène une incidence négative. Alors, en pour termes vous, de résultats. Pour vous, on ne veut pas résoudre le problème. On ne veut pas résoudre le problème. On fait comme d'habitude, on crée des commissions. La commission c'est de normalisation qui était elle-même d'anormalisation a anormalisé, a contribué à anormaliser le football. Ok, merci cher monsieur Jean-Baptiste, merci d'être venu. Peut-être un mot. Je suis d'accord qu'il faut, il faut des infrastructures. D'ailleurs, il faut remarquer les deux stades en cours, Limbé et Bafoussam. C'est dommage que, alors que les financements étaient disponibles depuis plus de 8 ans, que ça ne soit que maintenant que ça achève avec des tracasseries. Merci Jean-François. Je suis d'accord qu'il faut des infrastructures. Mais ça ne justifie pas dans l'immédiat les résultats des Lions et Lions. On a des joueurs qui jouent ailleurs. S'il vous plaît. Ok, Jean-François. Non, merci. De m'avoir fait participer ce dimanche à ce débat citoyen. Je souhaite qu'on sait savoir les plans d'urgence, qu'on fasse des trucs sérieux dans notre pays. Sostène, Medalibod. Sostène. Nous pensons au MRC qu'il faut structurer et construire. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, le maître bon. Oui, et il faut structurer du social au Cameroun. Ok. Saint-Éloi Bidoum. Le Cameroun est le seul pays au monde où un joueur quitte le championnat Elite One pour aller jouer un match à la Coupe du Monde, quand même. Vous ne vous trouvez pas que c'est truc n'est pas préparé. Je crois que le moment est venu, s'il vous plaît. Le moment est venu pour que le président Biya frappe du poing sur la table. Ce genou était bon. Ok, d'accord. Merci, cher monsieur, le professeur Claude Abbé. Merci, Jean-Baptiste Temenga. C'est terminé. Merci, cher monsieur, d'être venu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Canal Presse. La rediffusion de ce programme, c'est lundi, quand il sera à 23h. D'ici à la garder le sourire. Bien le bonjour.